Good morning, ladies and gentlemen. You are now tuned in to Sunny Side Up on Light FM, and it's time for the wake-up call. I am your host, Carl, bringing you new sounds, new awakenings from the region and beyond. Today, we have a very special guest with us on the wake-up call. Joining us now is French-Lebanese singer and multi-instrumentalist Bachar Mar Khalife. Bonjour, Bachar, et bienvenue sur Light FM. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes là pour discuter votre cinquième album intitulé On Off. Un album inspiré par plusieurs genres de musique, que ce soit la musique orientale ou plutôt la musique électronique et le rap. Donc Bachar Mar Khalife nous raconte en français et en arabe plein d'histoires intimes et à la fois très pertinentes sur un plateau plus élevé au niveau d'un peuple et d'un pays. Donc Bachar, comment allez-vous ? ça va bien. On est à distance en ce moment. Tout se fait à distance. C'est un peu, c'est une nouvelle manière de communiquer, de créer le lien. Il faut absolument protéger le lien, je crois, qui est entre les gens. Donc, je suis très heureux d'être même à distance, d'être avec vous. Je crois que la musique, c'est aussi un lien avec les gens et que c'est une excuse pour pouvoir se parler, communiquer, échanger des idées, échanger des émotions surtout. Et moi, quel que soit le style de musique que j'enregistre, l'important pour moi, c'est que ça crée un lien avec les gens et que eux-mêmes l'entendent à leur manière et arrivent à ressentir des émotions à travers la musique. Absolument. Donc, pour en donner juste un peu plus de contexte à nos écouteurs, pourquoi avez-vous décidé de nommer l'album On Off ? On Off, c'est au départ une petite anecdote qui a rythmé en fait l'enregistrement, parce que je suis allé l'enregistrer au Liban dans une maison familiale à la montagne. Et évidemment, au Liban, l'électricité coupe très souvent. Et on a tous ce bouton on-off sur le générateur électrique. Et le fameux disjoncteur. Le disjoncteur. Voilà. Et ça a donné un rythme bizarre à l'enregistrement, puisque c'était pas un studio d'enregistrement, c'était vraiment la maison qui n'était pas du tout équipée techniquement. Mais ça nous a plongé dans quelque chose de très réel et très brut. Et c'était pas anodin, en fait, de cliquer tout le temps sur ce bouton. Dans cette maison, tout était on-off. Le jour, la nuit, tout s'opposait. Le soleil, la tempête. Il y avait beaucoup de choses qui était en contradiction et au final c'est devenu le nom de l'album, et c'est aussi toutes ces questions qu'on peut se poser sur pourquoi on fait de la musique, pourquoi on veut s'exprimer, etc. Il y a une phrase du poète Oscar Wilde qui dit que la vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. Et à mon avis, après avoir écouté votre musique et surtout On Off, je trouve que cette phrase me semble très adéquate pour l'album, pour On Off, justement. Donc, qu'en pouvez-vous nous dire sur la relation entre On Off, le fait que ce soit un album enregistré pour la première fois de votre part au Liban, et tout ce qui se passe au Liban, surtout après l'explosion du 4 août ? Après l'explosion, c'était... Il y avait des nouvelles questions qui ont émergé, qui se sont affirmées. En fait, ça a déjà commencé avec le monde qui s'est fermé, en fait, avec la pandémie et tout ça. Et le fait qu'il n'y ait plus de concerts pendant des mois, pendant 8 mois. Le fait que ce lien avec les gens, il ait été... coupé, et le fait que le Liban s'effondre, le fait qu'au départ il y ait cette beauté
d'énergie de la jeunesse dans la rue qui était très créative et magnifique à voir, et on n'avait qu'une seule envie, c'était d'y aller, qu'on soit tous ensemble, etc. Le fait que tout ça s'est petit à petit perdu dans... dans la réalité du monde aujourd'hui, et l'explosion, elle a vraiment presque... c'est comme si l'explosion, son but, c'était d'anéantir toute envie, tout espoir. Et je crois qu'en tant que musicien, on est dans cette période-là, on est tiraillé, on est perdu entre le fait de se dire à quoi sert la musique en ce moment, ou alors quelle est ma place dans tout ça, que sans concert, sans lien avec des souffrances terribles, la famille, le pays, etc. Mais je crois qu'il faut très vite se recentrer et penser déjà à tous ces gens sur place, je pense à la société civile qui tout de suite et aller dans la rue pour commencer à déblayer, commencer à aider les gens, nourrir les gens, reconstruire même, etc. Et avec une force qui force le respect, en fait. Et la seule manière de respecter cette énergie, cet élan-là, c'est de continuer coûte que coûte à faire chacun ce qu'il doit faire. Moi, ce qui me concerne, je dois continuer à faire la musique et avec la plus grande force possible, la plus grande exigence possible, et pas laisser la place au désespoir et à la médiocrité un petit peu vers laquelle on est poussé, en fait. Exactement. Donc il faudra surtout pas arrêter là où on est et de rester dans une position où on est juste où on fait rien. C'est très monotone, c'est très stagnant. L'important, c'est de persévérer. Pour en rentrer un peu, pour parler en plus en détail sur On-Off, l'album contient 11 morceaux. Je suis plutôt fan de Lyra et de Je t'aime à la folie. En tant que rappeur, j'ai vraiment apprécié le flow sur Lyra. Pour juste faire le lien avec ce que vous avez dit à propos du temps, notre notion du temps a vraiment changé avec toute cette épidémie. Comme vous avez dit, nos nuits sont très bizarres, sont assez longues. Nos jours aussi, on ne sait plus si on est jeudi, si on est vendredi. Les gens ne savent non plus. On a perdu cette notion du temps. Et donc Pour aussi donner un peu de plus de contexte à nos écouteurs, Bachar Mal Khalife est fils de Marcel Khalife, un très grand chanteur, poète et joueur de oud libanais. Donc ce que je sens quand j'écoute votre musique, c'est que sûrement vous dites que la musique joue un rôle super important et peut nous impacter sur plein de mouvements humanitaires, politiques, sociaux et même personnels. Donc avec tout ce qui se passe de nos jours au niveau sociopolitique, comment est-ce que l'art peut impacter la société en restant pertinente et en même temps attirante? Donc il suffit pas juste de faire quelque chose qui est pertinent, mais aussi qui est attirant aux écouteurs, et quelque chose qui est, c'est-à-dire c'est pas vraiment une science exacte. Ou est-ce que c'est une science exacte? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la musique, l'artiste en général, ne doit pas se préoccuper d'attirer quelque chose. Je crois que c'est un piège de se laisser emporter par quelque chose qu'on est persuadé qu'il faut faire ça pour changer quelque chose, parce que très vite on peut tomber dans une demande commerciale, en fait. Du coup, la frontière, elle est aujourd'hui, elle est dangereuse entre répondre à une attente, une mode,
répondre à, aux styles musicaux du moment, etc. Je crois que si on, ou à des aspirations même politiques, etc. Je crois que si on tombe dans ça, on est très vite aspiré par quelque chose qui finalement ça peut être de la bonne musique aussi, mais ça va vite être oublié en fait, parce que aujourd'hui la durée de vie d'une idée ou d'un produit commercial, elle est très courte. Exactement. Et je crois que évidemment que la musique de toute façon a un impact énorme sur l'être humain. Ça c'est indéniable et il faut pas s'inquiéter de ça. Il faut pas se demander est-ce que ça a un impact ou pas. Évidemment que ça a un impact et je crois que rien que le fait que la musique peut entraîner des millions de gens par exemple ou des milliers de gens dans un concert à se lever, à se mettre à danser tous ensemble ou à faire que les gens applaudissent ou faire que les gens pleurent, c'est la preuve que la musique ça a un pouvoir extraordinaire, c'est sûr, mais je crois que c'est plus un pouvoir métaphysique et que il faut pas à tout prix chercher à mettre les mots dessus, à expliquer en tant que science, pour répondre à la question science exacte ou pas. Je crois qu'on est loin de pouvoir expliquer tout ça, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que si tout le monde écoutait vraiment de la musique et pas la musique qu'on nous impose, qu'on doit acheter, etc. Si tout le monde écoutait de la musique parce que cette musique-là, elle fait une transformation chimique dans son corps et dans sa tête, je crois que le monde serait beaucoup plus paisible, en fait. Oui, et la musique a ce pouvoir de transformer. La musique a ce pouvoir transformatif. Complètement. Je crois que c'est de l'éducation aussi. Quand on a une éducation à écouter de la musique très tôt, quand on fait écouter de la vraie musique, de la bonne musique aux enfants, je crois que ça les fait grandir différemment et que ça a un impact dans l'eau qui se trouve dans notre corps et tout ça, et qu'on grandit différemment et qu'on a accès à un monde qui parfois paraît impossible à pénétrer quand on n'a pas eu cette éducation, mais qu'il faut faire l'éducation de tout le monde en fait. Et donc, morale de l'histoire, écoutez plus de musique depuis votre enfance. Ouais, que ce soit du rap, du rock, de la musique classique, de la musique traditionnelle, mais que ce soit de la musique sincère, que l'artiste qui a fait cette musique-là l'a fait parce que ça provoquait quelque chose en lui. Ouais. Que ce soit pas de la musique juste qu'on a été obligé d'écouter. Exactement. Donc, sur ce, Bachar Mal Khalife, merci encore une fois d'être avec nous sur Light FM. À nos écouteurs, vous pouvez trouver l'album On Off de Bachar Mal Khalife sur Spotify et NRMI et bien sûr sur Light FM. Vous pouvez aussi télécharger et acheter l'album sur Bandcamp et Big Wax. Bachar, un petit mot à nos écouteurs. J'envoie tout mon amour à tous les écouteurs de Light FM et tout mon amour à ma famille aussi, peut-être qui les écoute. Voilà, beaucoup de force à tous. Bonjour les Khalifés, bonjour les Libanais. Et merci beaucoup Bachar. This has been the Wake Up Call with Carl. The time is now. And join us next Friday for more.